Ah bien bonjour, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. On est ici à l'expo de Rocklin début printemps et à même les artistes de l'association de Clarence Rocklin. Alors, j'espère que le son ne sera pas trop dérangeant. Il y a beaucoup de public, mais je suis sûr que les techniciens ont pris allure avec ça, puis ils vont nous faire un beau son pareil. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit sketch ici, si on peut regarder en plus près. Alors, sur le sketch, je vois une maisonnée à l'ancienne. J'ai pris de quoi d'assez intéressant. On va essayer de créer de la profondeur. On rentre avec nos points d'or pour placer nos sujets. OK? On a parlé déjà des points d'or. Je vais les retravailler en les dessinant. Alors, on va, sans plus tarder, on se lance tout de suite dans ce projet. Alors, en utilisant ma ligne ici, je vais me placer en haut ici. On va aller chercher notre montagne. Alors, c'est ça un peu. Il y a un petit peu de soleil qui ressort en arrière là-bas. OK. Un petit peu de montagne ici. Est-ce qu'on voit bien la ligne? C'est beau? OK. Je peux blanchir un peu. Tiens. On va faire ça comme ça. En arrière ici, j'avais placé peut-être des petites églises, des petites choses. On a un poteau qui s'en vient. La ligne d'or, hein, c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Ça fait qu'ici et là, et à cet endroit, ça, c'est des endroits idéaux à placer des objets, à garder ça un peu occupé, c'est des endroits. Dans les coins, on essaie de moins mettre de choses. OK? Fait que ce point ici, je vais aller chercher à cet endroit-là ma petite maisonnée qui va être en haut ici. OK, puis on va aller chercher ça en haut ici, un peu plus. Une belle petite maison, petite canadienne. Tiens. En arrière, il y a une petite chaise, c'est pas d'importance. On va aller chercher quelque chose comme ça. Il va y avoir des sapins, des arbres. Il y a d'autres petites granges, des choses en arrière là-bas. On se laisse aller. Des petites lucarnes en avant ici. On suit la ligne de la toiture. Alors, le dessin est assez important, savoir un peu dessiner pour savoir où on s'en va. Les gens disent « Comment tu fais? Ça va vite ton affaire? » Avec le dessin, on y va, puis on se laisse un peu aller. C'est pas la première fois que je dessine. Mais, comme je dis à tout le monde, toujours le petit calepin avec toi quand tu te promènes sur la rue, quand tu t'en vas quelque part, tu t'assis dans un champ, sors ton calepin, puis sketch au crayon. Ça, c'est des petits sketchs rapides. C'est juste assez pour capter une image, capter un endroit. Et puis, ça nous permet, ensuite de ça, avec l'imagination, puis les couleurs, puis tout ça, de retrouver. Ça fait en arrière ici. J'ai marqué juste pour m'aider pour tantôt quand on va mettre les lumières. En arrière là-bas, je voyais un beau pignon d'église. Hein? C'est le petit village sur le bord d'une montagne. OK. Ensuite de ça, j'ai mon point de fuite ici et mon golden spot est là. Ça fait que je vais envoyer ma petite rue de ce côté-là. Le chemin s'en va vers le village. Alors, on va aller comme ça. OK. On envoie ça ici pour diriger l'œil. C'est là qu'on veut que l'œil aille. On passe par deux points d'or ici. On va ramener ça. Un des points importants, on essaie de ne pas amener la ligne ici droite dans le coin. Ça, on en connaît. Il ne faut pas diriger que l'œil sort du tableau, mais qu'il reste intéressé dans le tableau. Donc, on va faire ça ici. Ça s'en va vers la ligne. Et voilà, le tour est joué pour cette belle ligne. Dans le milieu, bon, si je me prends un vieux chemin de campagne, on passe, il y a les dégoulis d'eau, hein, la pluie tombe. Il faut tout penser à ces petites choses-là. À mesure qu'on dessine, il faut que ça soit assez réalistique. Je pourrais faire un rempli solide de ça, mais je trouve que ça porte pas vérité, parce que si je suis dans une montagne, il y a beaucoup de débit d'eau qui va se faire. Donc, ici, il y aurait des roches qui vont se découvrir parce que l'eau va passer. Hein? Alors, de l'autre côté aussi, il y a peut-être des roches, des choses. C'est des choses que je vais aller chercher tantôt en faisant mes jets de pinceaux. Et puis, on va pouvoir aller chercher. Tout le long ici, moi, j'imagine, si je suis propriétaire de cette belle maison, je fais du genre à aller placer sur le bord du chemin, aller mettre des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les choses pour inviter les gens à aller à mon chez-nous. À côté de la maison, ben, un bon gazon, pourquoi pas. À l'été, on aime ça. OK?
Ça fait qu'ici, il va y avoir un gazon, puis la maison qui nous invite, une porte ici, peut-être une petite galerie, des fenêtres, des choses comme ça, une petite fenêtre en haut au deuxième étage. Alors, vous voyez, avec des jets, des coups de pinceau, on vient à créer un environnement qui est déjà invitant. À ce point-ci, dans mon champ ici, je verrais un poteau qui est sur le bord ici. C'est d'après mon sketch que j'ai fait. Il n'y a pas de... Je vois un peu dans n'importe quelle couleur, là. OK? Fait qu'il n'y a pas de quantité dedans. J'ai un point de fuite. J'ai un golden spot là, j'en ai un ici. J'aimerais avoir de quoi qui passe à travers mon gros poteau. Intéressant. Plus gros que les autres ici. Fait que je suis vraiment petit dans le fond de ça. Viens chercher ça. L'autre gros poteau, je vais l'identifier un petit peu plus fort. Puis, pour donner plus de perspective, je vais aller chercher ici un autre poteau, un plus petit là-bas. Puis, ils sont tout croches, hein? Ça a été tiré. Les vaches sont à côté dedans un peu. Tiens, puis là-bas, puis là-bas, puis là-bas. Ça s'en va. On a un grand champ. Juste avec ça, j'ai une grande profondeur dans ma peinture. Il y a peut-être quelques petites maisons, mais ça va être seulement des taches... Dans le fond, à un moment donné. OK? Fait qu'avec ça, ben, sans plus tarder, l'idée, moi, le concept est tout là. C'est un peu ce qu'on va créer comme image. On va s'en aller avec ça. Et on va aller chercher des couleurs, puis on va redébuter. Je vous laisse aller à une petite pause, puis je reviens avec ma palette un peu plus remplie, différents pinceaux. On se revoit dans quelques minutes. Alors, pendant que vous étiez à la pause, j'ai continué à préparer ma palette. Alors, la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, il manque peut-être un peu de vert là-dedans, je vais en rajouter à mesure. Mais j'ai du jaune, du orange, du rouge, un peu une bonne palette. Beaucoup de blanc, du noir, des bleus pour les ciels, du mauve pour les montagnes, etc. Et puis, on se lance avec ça. Alors, j'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. J'ai identifié un peu, lors de mon sketch, en regardant la nature, bon, un ciel pâle, les montagnes, il y a du vert, il y a du mauve un peu, c'est dans l'ombrage. Ensuite de ça, jaune-blanc pour la maison, alors ça va faire contraste. L'église était blanche avec un toit noir. Puis ensuite de ça, de la verdure, donc dans les couleurs terre ici en bas là, OK? Fait que quand on sketch, ça, on peut mettre des notes de qu'est-ce qu'on sketch, quelles couleurs qu'on va aller chercher, les couleurs de la journée, le temps de la journée. Alors, c'est un peu qu'est-ce qu'il y en est pour le sketch. Alors, moi, je vais embarquer avec ça, comme j'ai dit, des jaunes, des oranges, des rouges, ça. Ça fait que si vous voulez vous préparer une palette en même temps que moi, c'est un peu ce que ça a de l'air. Et puis, je vais commencer tranquillement. Ça vous donne la chance de commencer une palette et le sketch. On s'en va avec ça. OK. Alors, toujours, j'ai commencé avec un peu mon médium. C'est toujours la même répétition. Le médium d'artiste, pour moi, à ce moment, ce que j'utilise pour ne pas être trop compliqué, un peu de taltine inodore et de l'huile de lin, qui est la base de la peinture à l'huile. Alors, juste les deux. Je n'ai pas mis d'accélérant ou de super, comment on dit, glossé, là, pour rendre ça plus luisant. Juste la base pour ne pas trop compliquer les choses. On débute. Mais oui, effectivement, il y a des choses qu'on peut rajouter dans notre médium de base ici, notre médium pour... le mot m'échappe, pour solvant, diluer. Excusez, je l'ai eu finalement, voilà, la tête, il vieillit le monsieur, là. Hein? Je commence à vieillir un petit peu. Alors, diluer la peinture, c'est mon médium d'huile de lin et taltine. OK! Alors, avec ma palette ici, je vais aller me préparer un beau ciel. Fait que je mets du blanc de titanium. OK. Et avec ça, mon petit bleu, tallow, très, très peu, juste un peu. On garde ça. Je sais pas, je vais voir la palette à mesure que je la travaille, mais on va y aller comme ça. OK. Fait qu'on en met assez parce que même si c'est des petits espaces, on a tendance à jamais en mettre beaucoup. Ah, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, c'est bien. Et on commence avec ça. Alors, un beau ciel d'été. On va être un petit peu plus foncé sur l'extérieur, qui s'en va vers un beau bleu pâle pour l'intérieur ici. Je vais diffuser un peu devant ma montagne. Et on mélange ça un petit peu, plus foncé d'un coin, plus en avant ici. Et voilà, le tour est joué. C'est pas plus que ça. Il va, bien, je parlais des lacs d'eau tout à l'heure, peut-être que... Hey!
je me laisse aller. Dans mon show, c'était là, on parlait de l'eau peut-être qu'elle a découlé. Peut-être qu'il vient juste d'avoir une tempête puis un petit flaque d'eau qui va aller se créer là. Fait que vu que j'ai le même bleu sur mon pinceau, je vais aller le placer tout de suite. Même bleu de mon ciel qui va refléter peut-être d'une petite flaque d'eau qui va être restée dans mon chemin ici. OK? Fait que je suis créatif à mesure que je m'en vais. Je pense à la nature, comment elle se déroule, etc. OK. Prochain exercice. Je m'en vais dans les... Je cherchais mon verre. J'ai pas versé encore. Olive green. Mon sap green. Tiens. Et du mauve et du noir, ça va faire. J'aimerais l'avoir un peu plus mauve. On va pas le gêner. Une montagne au loin, ça fait que je peux aller chercher juste sur le edge comme ça, mon petit pinceau qui va chercher des arbres. Il va rentrer dans mon bleu. On le laisse aller. Bon. Ça fait des bruns, ces couleurs-là, même des ocres un peu là-dedans. Pourquoi pas? Il y a du feuillage d'automne encore. L'été est arrivé puisque je vais mettre des fleurs. Ça fait que c'est quand même assez foncé, mon médium. Beaucoup de mauve. On revient en arrière ici. On va aller chercher des arbres, puis vraiment, c'est juste un truc comme ça. Je peux me servir de mon pinceau carré ou même à la rigueur. Que non, des fois je le manque. Mon petit fan brush, on a déjà parlé. OK? Il fait un peu la même chose. On peut aller chercher des effets d'arbres, des choses comme ça. Alors, des verts, des mots. Ben oui, pourquoi pas le temps? Ça, c'est loin, loin. Remarquez aussi, quand je commence le tableau, on commence avec l'arrière-plan, ce qui est en arrière, puis on s'en vient en avant. On va aller chercher notre montagne avec ça, des ocres, des verts. Ça fait un vert plus pâle avec le ocre dedans, qui est une. Ça rend ça plus terre. Puis j'utilise le coin de mon fan brush. Pas assez noir. En arrière de mes maisons, j'essaie d'aller chercher des plus foncés, puis en avant ici, ça va être assez foncé, en arrière là-bas aussi. Mais j'ai quand même un peu de vert, feuillage dans mon pinceau. Tranquillement, on est en train de voir la montagne, les forêts. Je peux même aller chercher un petit peu de jaune là-dedans, à certains endroits. Vous voyez que ma tête, elle va un peu partout. Hein? Et puis on va chercher. Regarde les beaux arbres quand même. Avec la fond que j'y ai placé, là, je peux aller chercher des petits arbres. Même à côté de mon église, je suis certain, là, quand ils ont planté un bel érable. Tiens, un petit peu plus vert, jaune, il capte la lumière. Je peux mettre du blanc dans mon verre. Et voilà. Pour l'instant, c'est juste une montagne. On commence à sentir les érables, les choses pousser là-dedans.
Un petit arbre ici. Foncez en arrière là-bas. Essayez de tout plus foncer. Toujours dans mon noir, même du bleu dans le fond de là, des bleus purs. Bord de la forêt. En bas ici, c'est toujours plus caché, en dessous. Puis je veux faire ressortir mon chemin ici. Ça fait que je vais aller chercher des fonciers assez. J'ai une petite cabane qui a l'air un peu forte là-bas. Elle est en bas des montagnes. On va la cacher un peu plus. J'ai une église sur le bord ici. Ça fait qu'il y a juste un toit qui va paraître là. Et un deuxième chemin en arrière. Qui sait? Je l'invente, on ne sait pas. Hein? Ici, je vais aller chercher ça, ce verre-là avec du jaune. Un beau gazon. Fait que déjà, on commence à rentrer dans le tableau juste avec ces teintes-là qui s'installent. Il va y en avoir de ces brindilles-là à travers ça. Je vais aller mettre, juste vider mon pinceau dans ce coin-ci pour m'inspirer. OK. Bien, pas en arrière ici, on a tout un grand champ aussi. Ça, du ocre. Fait qu'un champ de blé, champ blanc. Ma main commence à fatiguer, je suis pas habitué. Hein? Et la touche du pinceau, le petit fan brush. On va chercher du foin, mais le foin n'est pas tout la même couleur. Fait que des fois, je vais emmener du rouge dedans, des orangés, des choses comme ça. Quand même une journée chaude d'été. Le gazon à l'été, mi-journée, le soleil frappe dessus longtemps. Ça fait qu'il brunit à force que la journée est chaude. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté des orangés dans le verre. Puis, ça fait un peu plus chaud dans ma journée. OK? Des petites bulles de foin. Je vais revenir avec un petit liner là-dessus. On va chercher des choses plus détaillées. Et sur le côté ici, d'après mon petit sketch initial, j'ai eu bien des plantes, des fleurs, des choses comme ça. J'ai changé de pinceau. J'ai pris un Filbert. Pinceau langue de chat, si vous voyez. Non, on ne voit pas bien. On voit là-dessus. OK? Plus arrondi. Encore dans mes verres. Même mes mots, parce que je vais commencer avec des feuilles qui sont plus en arrière. Poignée, là, parce que là, j'ai, d'après mon sketch, il y avait des fleurs qui montaient jusqu'en avant ici. Fait qu'il faut que j'aille y mettre un fond. Fait qu'en arrière de tout ça, mon bord de poteau, il va être assez foncé. Fait qu'il faut que je pense mes lumières. Ma lumière va s'en venir de ce côté ici. Hein? Le devant de ma cabane, ou même, au fait, je me redis, excusez, je regarde ça. Si ça, c'est dans ces foncés-là, la lumière va peut-être venir de ce côté-ci, frapper le devant de la cabane ici, un petit peu plus foncé-là. Donc, tu vois, c'est des décisions que l'artiste doit prendre à mesure qu'on avance le tableau. Quel côté, ma lumière, qu'est-ce que je vais faire réagir avec ça? Fait que tout ce côté-là du poteau, on va aller chercher assez noir, assez foncé, et même oser avec le mauve. Je ris parce que dans mon studio, les élèves du Bernard, ils voient du mauve partout. OK? Alors, j'installe ça, ces petits poteaux-là.
Il y en a un petit là, il y en a un petit ici. On commence à les mettre. OK, on peut peut-être même aller avec la spatule tout à l'heure, mais je veux vraiment avec mon noir et mon mauve. C'est là que je m'en vais. C'est une grande surface à couvrir et à découvrir, parce que je la découvre avec vous, là. OK, je suis en train de faire du feuillage dans les foncés, parce que c'est en dessous. Alors, on va aller chercher des feuillages en dessous. Il y a des feuillages en arrière ici. Ça, c'est très noir. Alors, même si mon tableau est noir, une des raisons pourquoi que je commence avec un tableau noir, c'est d'aller chercher nos ombrages, etc., par en arrière. Ensuite de ça, on va revenir en avant pour chercher les lumières. Fait que les gens me demandent souvent, pourquoi tu commences avec un tableau noir? La lumière vient avant, fait que ça va ici, ça va bien, ça va me faire des ombrages. Je commence avec un tableau noir parce que c'est l'obscurité, c'est la noirceur. Et puis, je te vois écouter, là, les gens qui écoutent, hein, c'est ça, on écoute ça. Quand on est dans notre chambre, on ferme les lumières, il fait noir. Hein? Le matin, se réveille, les lumières ouvrent. Premier crépuscule, on n'a pas de pleine couleur. C'est des tonalités grises, on commence à voir la vie se réveiller. Hein? Quand le soleil commence à sortir, là, les couleurs commencent à réagir avec la lumière. Fait que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de réveiller les couleurs dans mon tableau. Ça, c'est le noir obscur, de la noirceur. On se ferme les yeux, on ne voit rien, c'est noir. Mais à mesure que les couleurs sont là, les couleurs sont créées par la lumière. La lumière, quand on la brise, elle nous donne tout un arc-en-ciel. Alors, ce que je suis en train de faire sur le noir, je suis en train d'introduire et amener mes lumières. Puis en faisant ça, c'est pour ça, dans mes tableaux, les gens disent « Ah, c'est tellement lumineux, tes choses que tu fais! » Parce que j'ai commencé avec l'obscur pour amener ensuite les lumières. OK? J'espère que ça vous aide un petit peu. On peut commencer avec... Moi, je commence avec le noir avec mes élèves pour vraiment aller chercher cette expérience de noirceur à la lumière et faire vivre plus l'éclat de lumière. On peut, par contre, comme les maîtres, ils travaillaient avec du burnt sienna, des bruns foncés, pour aller chercher encore, venir avec la lumière par-dessus. Fait qu'on commence déjà avec les foncés pour revenir avec la lumière. Le blanc, les éclats, ces choses-là, c'est la dernière chose qu'on met. Alors, tout en jasant, puis en faisant un badi-bada de mon pinceau ici-là, je fais des jauges sans même regarder, puis ces lignes-là vont m'indiquer, vont m'aider tout à l'heure pour des foncés et des pâles pour des feuillages. Fait que bien souvent, je laisse à l'improviste mon pinceau vaguer pour aller chercher. Tu sais, ça a déjà l'air d'un fouillis de feuilles ou de fleurs. Alors, on travaille avec ça. Il y a bien des gens que je connais ici aujourd'hui, c'est plaisant. Il y a bien du monde à l'expo. C'est une des raisons pourquoi on fait ça ici. Je trouve que dans Rocklin, il y a tellement de choses qui se passent. C'est autant occupé que la ville d'Ottawa, je vous dis. Il n'y a pas juste à Ottawa qui se passe des choses. Rocklin est une ville qui bouge. Alors, comme aujourd'hui ici, les gens sont intéressés, les gens s'impliquent. Et c'est plaisant de voir ça, en tout cas. Je parle un peu de hors du contexte de l'émission, mais c'est une des raisons pourquoi on est là aujourd'hui. TVC 22 aime s'impliquer et travailler avec la communauté et faire des choses. Fait que c'est une des raisons pourquoi on est là aujourd'hui, montrant un tableau. Mais comme moi aussi, d'ailleurs, très impliqué dans la communauté, on a une belle place ici, une belle place à vivre. Et c'est grâce à notre... maire, puis les gens de la ville, les gens de TVC 22, nous faire valoir, nous faire voir, tout ça. Alors, une belle place à rester. OK. Alors, vous voyez, à travers ça, je ne sais pas si on voit la caméra. Ça fait des foncés, on commence à voir des choses. Je vais trouver un peu d'autres couleurs sur ma palette. Je vais vous laisser aller une petite pause et puis on se revoit dans quelques minutes. Bienvenue à Bernard en studio. Aujourd'hui, nous allons découvrir un autre artiste, Denise Kirouac, qui est de la région de Clarence-Rockland. Alors, bonjour Denise. Hello. Ça va bien? Oui. Alors, tu fais de la peinture depuis quand, ma chère? Au moins 10 ans. Et qu'est-ce qui t'inspire comme tableau? Au moins 10 ans, qu'est-ce qui t'a commencé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir artiste? J'ai toujours dessiné en étant jeune. J'avais mes enfants, j'avais pas le temps. Après ça, j'ai tombé dans ma vie. Que je voulais faire des choses pour moi, mon temps à moi.
Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est... Quand on a les enfants tout ça, là, on court, puis à un moment donné, il faut prendre le temps pour soi-même. Ouais. Des choses qu'on a toujours voulu faire. Alors, tu as commencé, toi, c'est la peinture à l'huile qui t'a inspiré. Ouais. Et puis, explique-moi donc ton processus. Comment que tu commences là-dedans? Qu'est-ce qui t'amène à ça? Moi, je trouve une image, un dessin, une photo, quelque chose qui m'attire. Quelque chose que c'est un wow, ouais, c'est quelque chose que non, c'est celle-là, c'est rien que celle-là que je vais faire. Alors, une vibration quelconque, ouais. Vient te chercher, là, peut-être des frissons, tu dis, c'est ça mon prochain chef-d'œuvre, là, c'est ce que j'embarque dedans. Et puis, est-ce que c'est les couleurs? C'est quand qu'on dit wow, c'est quoi ton wow? C'est-tu les couleurs? C'est-tu la composition? C'est les couleurs, la composition, le défi. Ah, le défi. J'attendais que tu dises ça. Je connais un peu, ma chère Denise. Je sais qu'elle aime te donner des gros défis. Alors, oui. Puis je regarde tes tableaux. Et puis, dans ça, explique-moi un de tes défis. Bien, la peinture en arrière de vous avec le cheval et la jeune fille. C'est une demande spéciale. Et puis, c'est un défi, j'avais jamais fait de cheval. La figure, c'était un défi aussi. Quand je l'ai pris, j'étais nerveuse. Mais en apprenant tranquillement, pas vite, faire les couleurs, mélanger les couleurs, à chaque fois que je fais un tableau, j'apprends quelque chose de nouveau. Fait que chaque tableau, en fait, devient un défi, puisque chacun est choisi spécialement. Alors, en ce moment, tu travailles sur un autre ici devant nous autres. On peut voir de la caméra de ce côté. Explique-nous un peu. Moi, j'aime ça, cette affaire-là. Elle n'est pas terminée, fait que tu peux nous raconter son histoire. Elle n'est pas terminée. J'aime les anciennes choses, j'aime les anciennes clés, j'aime les vieilles technologies. Fait qu'on a une montre de poche, des messieurs qui portaient dans leur poche d'habit. Et puis les livres ne sont pas finis, il va y avoir toute l'écriture sur le dos du livre. Okay. Et puis l'horloge, je mets à 10h17. 10h17? Pourquoi 10h17? Parce que ma fille, quand elle était jeune, elle nous disait toujours, on y demandait quelle heure qui est. 10h17, maman. Elle était tout petite. Puis après, on s'en va se coucher là. Quelle heure qui est? 10h17. Fait que là, elle était tout petit enfant, là. Oui, elle était tout petit. Fait qu'elle commençait à dire que ça de couleur. Fait que là, on va la taquiner avec ça. Fait que ça va devenir la peinture de ta fille, son petit nom, tu sais? Marie-André. 10h17. 10h17. On va se rappeler à ça. Des beaux souvenirs, alors, quand même, un challenge. Hein, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages là-dedans. Et c'est pas mal de fun que tu peux rajouter des choses comiques ou en même temps dans ta peinture, puis des anecdotes. La plupart des peintures, il y a quelque chose que tu aimes vraiment. Il y a quelque chose, la cabane à sucre, t'adores la cabane à sucre. Des vieux poteaux de culture, c'est rustique, c'est vieux. Les arbres, les mères, moi j'adore les fers, les papillons. J'ai fait des papillons, j'adore. Quand tu vas chercher pour faire une nouvelle peinture, tu vas chercher quelque chose que tu aimes faire. Quelque chose que tu t'attires pas. Alors c'est ça, la peinture, ben ça vient nous chercher dans le fond du cœur, ça nous fait vivre des émotions, et puis ça nous relâche, ça nous ramène dans notre bulle. Alors j'aimerais remercier aujourd'hui Denise Quiroy qui nous présente ses œuvres. Merci beaucoup Denise. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Alors, on revient de cette belle petite pause et puis j'ai pas avancé trop là. Ici, ça bouge à l'expo et puis on a plus jasé avec toutes les gens. Alors, on va sans plus tarder, on y va, on se laisse aller. Les gens ont hâte de voir qu'est-ce que ça a l'allure. Là, j'utilise mon petit fan brush, mais tantôt, j'utilisais sur le côté, tout ça, badigeonner, pour aller chercher des arbres, des feuillages un peu. Quand je peux continuer avec les mêmes couleurs que j'ai ici. OK, je peux aller chercher un arbre, OK? Mais ici, ensuite de ça, je m'en vais, même couleur, plus sur le long du pinceau, et je peux aller chercher du foin un peu plus en longueur, un peu de médium dans mon pinceau. Et je fais vivre la peinture. Tout d'un coup, ça prend vie, ces choses-là. En arrière ici, j'en ai encore, je vais toujours aller avec mon ocre, et puis blanc et jaune. Et puis, on va aller chercher du champ de foin.
Bon. Oups, mon chiffon est où, là? Je prends mon pinceau. J'ai une habitude de me mettre ça entre les doigts. On va essuyer ça un peu. Un peu de noir, un peu de mauve pour mon ombrage. Et puis on y va, un peu d'ombrage de cette lumière qui s'en vient de là-bas. Cette photo-là aussi. Cette photo-là aussi, il y a de la lumière. Un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. Chaque petit poteau nous fait de la lumière, de l'ombrage, c'est-à-dire. Tiens, OK, on sent la lumière s'en aller par là-bas. On va mettre le fan brush de côté. Je fais quelques petites lignes là-dedans. Bon. Il n'y a pas le liner ben, on va essayer. Ouais. Un petit pinceau plus long, plus léger. Avant ça, on va aller chercher d'autres petits points. Petit doigt dans les airs, je pense que c'est important. C'est juste une habitude. Je pense que je vais le garder. Lui, je vais chercher mon vert, vert blanc, vert jaune. Et petit feuillage là-bas. On aurait pensé que je m'aurais lancé tout de suite à faire la maison. Puis ça, moi, je suis en train de faire les feuillages ici. J'ai une heure, là. Fait que faut que j'aille faire vivre ces feuillages-là ici un peu plus. Ça me prend un verre. Avant de mettre les fleurs, il faut que j'aille chercher les feuillages. Oui, tout à l'heure. Les traces que j'ai faites, tout en badigeonnant puis en émouvant les couleurs. Les noirs ici, puis là, je peux user ces espaces-là. Je dis, ah, regarde, il y a une feuille, là. Il y a un pissenlit qui pousse, là, là. Bon. OK, on peut aller chercher ça. Puis les feuilles dans un buisson, c'est jamais toujours toutes pareilles. Alors, je vais en acheter des plus petites en haut ici. Un vert bleu, pourquoi pas. Tiens! Ah, on commence à voir toutes sortes de feuillages, toutes sortes de choses qui poussent. On commence à avoir des éclats plus, là. Ma lumière sort, la lumière en rentre. Mon petit sketch, je vais aller chercher mes fleurs bientôt. Là. Je
Donc là, on commence à voir les fleurs. Excusez-moi, j'ai arrêté de parler, j'étais rendu dans mes fleurs. Là. Ça sent bon, je vois les bourdons. On se promène. Les papillons sortis. Oui, oui. Les maringouins. Ah, les maringouins avec, puis les mouches noires. Déjà, avec quelques petits traits de ligne, ça, on sent la profondeur de tout ça, on sent l'ombrage, on veut s'en aller là-bas. Le petit jet d'orange là-bas, ça rend intéressant. Ça attire l'œil, aller voir plus loin dans le coin. Peut-être pas le meilleur pour aller chercher mes petites maringouins, là, mes petites marguerites. On va mettre quelques fleurs encore. J'ai un rouge ici avec du jaune. Non. Les tulipes. Il manque un rouge vif là-dedans. On va aller chercher un rouge vif. Bonjour. Là encore, il ne faut pas penser parce que quand on pense trop, on essaie trop de mettre, puis ça arrive pas comme la nature arrive. La nature, quand elle pousse, elle pense pas, ah, oh, j'ai une fleur rouge là, il faut que j'en mette une à côté, faut que j'en aie une plus loin. Faut pas le penser. Quand je dis pas penser, c'est juste d'être à l'imprévu un peu. OK? J'aime moins celui-là. On va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. Alors, des petites marguerites plus blanches encore. Alors, je peux continuer à continuer ça dans le tranquille tout à l'heure, mais vous voyez un peu l'imprévu des fleurs, une par-dessus l'autre, etc. OK? Il y en a une multitude. Ça crée un bel environnement. Ça ici, ça ici, ça ici, du blanc. Teinte verte, sale un peu. Je vais aller chercher ma pierre, puis le pavé, puis ça s'en va de plus en plus blanc là-bas, parce que là, je le fasse avant mes fleurs ici. Tiens, regarde le beau petit chemin qui s'installe. Un petit peu plus pâle. En dessous, on garde la noirceur en dessous de ce côté-là. Il y a quelques noirceurs de brun noir dans le milieu. C'est de la roche, des choses. Tranquillement, on commence à voir notre petit espace. Un peu de rouge là-dedans. Ah, il y a une belle couleur brun. Brun, gris, sage, j'ai du noir, j'ai du blanc. Je ne veux pas peut-être avoir la même couleur. Mon petit sentier qui s'en vient, qui se dessine.
On voit le beau petit chemin qui s'en vient là-dedans, puis on va aller chercher des roches dans quelques minutes. Encore, c'est juste couvrir de l'espace. Un peu de tout, du vert, du ça, du rouge là-dedans. Tiens, vert et rouge, ça nous fait quoi? On revient à notre... on va en parler un petit peu, tiens. Alors, nos couleurs de base, moi, c'est comme au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, là, OK? Le jaune, le rouge et le bleu, c'est la base de notre couleur, OK? Ensuite de ça, de jaune à rouge, ça nous donne les oranges, hein? Jaune à rouge, ça nous donne l'orange de ce côté-là. Jaune et bleu, ça nous donne le vert, puis le bleu et le rouge, ça nous donne le mauve en bas. Fait que dans notre tête, il faut voir un peu les couleurs comme ça, pour séparer nos couleurs. Une fois qu'on a ça, bien, on sait que les couleurs complémentaires, c'est celle qui est à l'opposé. Alors, quand on a un rouge et un vert, ça, c'est la couleur à l'opposé, on travaille notre complémentaire. Alors, avec la complémentaire de rouge et vert, on va chercher un beau brun chocolat. Qu'est-ce que je viens de faire d'ailleurs? Là, j'ai mis du rouge, j'ai mis du vert, et puis je suis allé chercher ça, puis je suis allé chercher un beau brun chocolat pour mes pierres. J'aimerais les avoir un peu plus grisonnants, d'ailleurs, fait que je vais rajouter un petit peu de bleu-gris là-dedans, et ça va chercher des petites roches. Tiens, voici mes petites roches qui s'en viennent. Ça commence à avoir de l'effet. Un petit peu de bleu, un petit peu de blanc, un petit peu de noir, et des petites roches qui commencent à apparaître. Comme on a dit, s'il y a une tempête de pluie, ça dégouline, ça s'en vient de ce bord-là. OK? On va aller chercher les mêmes choses de ce côté-ci. Mais on commence à voir le petit sentier qui se dessine. Ça, je vais garder le coin assez noir ici. Même chose de ce côté-là. On y va. J'ai un peu de flesh tone avec mon mauve ici. Ça va me donner une belle couleur terre. On va aller placer ça, c'est juste comme je dis, pour couvrir pour l'instant. Puis, comme à l'habitude, vous le savez, je fais le tableau avec vous. On voit ça arriver devant nous, on voit la lumière qui est rentrée déjà là-dedans. Mais je reprends toujours le tableau, comme les gens disent, tu peux pas juste faire ça dans une heure, c'est pas vrai. Mais le gros du tableau est là. Pendant nos petites pauses, j'en rajoute, je fais un petit peu plus que demandé. Et puis, plus tard, après, au studio, oui, je retouche. Je mets les touches finales. C'est pas coulé dans le ciment, ce qu'on a fait, là. Puis, je peux me permettre de mettre un peu plus de détails pour faire valoir les choses là-dedans. Là, je vois la pierre qui s'en vient. Ça a dégouliné. L'eau a coulé à travers ces pierres. Il y a peut-être quelques petites roches. Toujours un petit bleu acier à travers mon blanc. Là, les belles roches. Ici, ça me tendrait pas. OK, il y a une belle roche au bord du chemin. Pourquoi pas? OK. Il y en a peut-être sur le bord du chemin ici, même à travers nos fleurs. OK, moi, je verrais une belle grosse roche ici, là. Tiens. Puis dans la lumière du jour, donc, éclat. OK? À travers la fleur, la feuille est couchée dessus, d'autres petites roches ici, d'autres petites roches là. Petite roche par-ci, petite roche par-là. Parce que dans la nature, quand on marche, c'est pas vrai que le chemin est tout bien détaillé, bien coupé. Hein? Il y a des petites roches, il y a des petits feuillages. On peut aller chercher des petits feuillages qu'on poussait à travers ça tantôt. Ça, je dis, dans le studio, je vais peut-être continuer de ça. Je vais pas perdre mon temps de ce côté-ci. Il y en a beaucoup qui ont hâte de voir notre petite cabane, nos petites choses en arrière, puis moi aussi, d'ailleurs. On va commencer à aller salir ça un peu là-bas. Monter ma manche, là, parce qu'on finit toujours par... Je ne veux pas être devant la caméra non plus. On va aller chercher un petit toit orangé, pourquoi pas, en arrière là-bas. OK. «
tiens. Mon chiffon. Oh, excusez. C'est ce bout-là. Tiens. Tiens, belle petite église! OK, en arrière là-bas aussi en blanc. En arrière, grosse grange en arrière de l'église là. Bon, on va aller chercher une autre petite cabane en arrière de ce côté-là. Mauvais bord. Alors, quand on load la spatule, il y a deux côtés. J'ai toujours le dos de la spatule, jamais le dessus, parce qu'on ne peut pas le manipuler. C'est toujours sur le dos. Et puis, des fois, je vais ramasser ma peinture sur un côté de la spatule pour pouvoir la déposer dans ce sens-là. OK? Et puis là, je vais monter vers en haut, donc je vais ramasser ma peinture sur l'autre côté de la spatule. Et puis, je vais faire ma ligne et puis monter ma peinture. Et voilà, le tour est joué. Là, j'ai deux petites lucarnes. Là, ils font plus face de ce côté-ci. Ma lumière s'en vient de ce côté-là. Fait qu'on va mettre ça un petit peu plus pâle. Excusez, on va faire celle-là en arrière en premier. Et celle-là en avant ici, un petit peu plus blanc. Tiens! Alors, le toit est rentré à sa place. OK? On va chercher notre cabane. Ouais, hein? Tiens. Alors, je suis allé chercher mon jaune pour faire ressortir encore plus. On n'oublie pas, notre lumière vient de ce côté-là. Fait qu'un jaune plus frappant, j'espère. Pas assez encore.
On fait un petit test. Galerie de ce côté-là, puis les feuilles sont en bas. On commence à rentrer dans le détail, je parle moins, je dis moins de choses, hein? On s'excuse de ça, quand je rentre dans le tableau, on s'excuse de ça, je suis plus alentour, je suis dans l'espace donné en haut là. Cabane. Bon, fait que je vais continuer tranquillement un petit peu avec ça. Je parle pas trop de cette section ici, dans cette section ici, mais je vais continuer un petit peu dans la pause et puis on se revoit dans quelques minutes. Alors, comme pendant que vous étiez parti en petite pause, j'ai continué un petit peu, certaines petites affaires j'ai rajoutées. Un peu plus de lumière dans mes poteaux, j'ai été chercher un petit peu de grillage pour garder les vaches dans le clos. Et puis, on a continué avec quelques petites fleurs, je suis en train de rajouter des petits feuillages. En bas ici, on a rajouté un petit peu plus de roches. Aussi, à travers les roches, il y a peut-être des feuillages qui poussent. Fait que je suis juste en train de rafistoler, fignoler, travailler ça un petit peu. Il y a des espaces un peu noirs, on va les garder quand même, mais on va mettre peut-être un peu de mauve à l'intérieur pour aller chercher un sous-feuillage. OK? Fait qu'avec tout ça, on a travaillé notre tableau aujourd'hui avec un petit sketch fait à la main. On s'en rappelle du début. Alors, l'idée, poteau, église, etc. On a travaillé avec nos règles d'or, hein? Alors, les quatre points d'or. On a fermé nos coins avec des roches, des choses pour garder l'œil intéressé. Le sentier est un peu plus foncé en bas ici pour nous amener visuellement à voyager dans le tableau. Le poteau-là nous force à passer entre la maison et le poteau ici. Et puis, ça nous amène là-bas. On va découvrir. Le ciel nous ramène par ici. Les toitures nous ramènent comme ça.
Fait que la composition visuelle nous fait suivre le tableau. C'est faire la lecture. C'est comme lire un livre, on est intéressé, on suit l'histoire. Mon histoire de tableau, c'est voyage dans mon tableau, monte la montée, on passera en avant de la maison, on va voir l'église tantôt, et puis on s'en va comme ça. On sait l'environnement, c'est une belle journée, alors une belle marche à prendre. C'est un peu l'idée en arrière de ce fabuleux tableau. Comme je dis, à chaque fois, moi, je reprends ce tableau, je l'affistole un petit peu. Je pense que le portrait final que vous allez voir à la fin de l'émission va être un petit peu changé, mais pas drastiquement. Je pense que c'est un tableau assez bien réussi. Les couleurs et la lumière nous guident et nous invitent à aller se promener dans ce tableau. Alors, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Passez une merveilleuse semaine et on se revoit la prochaine fois à Bernard en studio.